avoir comparé le petit cerveau de nos correspondants, le petit cerveau de notre hippopotame nain de Madagascar, les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Londres croient qu'il pourrait s'agir de l'anorexie qui aurait développé ce qu'on appelle un nanisme insulaire, c'est-à-dire une adaptation au manque de ressources dans leur milieu. Et tout à coup, en découvrant les plus anormalement longs de l'homme naturel, pourvu d'un gros orteil qui rappelle plutôt les grands fans qui ont dominé, une autre chose conclut dans les feux que l'homme naturel se sent.